Comment interpréter les spectres gamma obtenus Tout d'abord, les photons issus de la source peuvent tomber directement dans le bloc de scintillation. À ce moment-là, trois scénarios sont possibles. Un effet photoélectrique, un effet Compton ou une création de paires. Il faudra donc connaître ces trois scénarios pour pouvoir interpréter les formes que l'on va voir apparaître dans le spectre. Mais les photons de la source peuvent également diffuser dans l'environnement sur les murs, sur la table, un peu partout dans l'environnement, et ensuite revenir vers le bloc de scintillation. Cette composante était aussi importante, et on va la voir apparaître dans le spectre. Finalement, la source peut aussi faire fluorescer son environnement si on dispose des, des éléments lourds, par exemple des blocs de plomb, à proximité de la source. Bien, la fluorescence du plomb, qui va être émise par le plomb, peut être détectée par le bloc de scintillation, et donc va se superposer au spectre que l'on va obtenir, va se superposer la fluorescence des éléments lourds que l'on va avoir tout autour de la source. Et finalement, la résolution expérimentale va modifier ce spectre d'une certaine manière en le lissant en particulier, l'effet de la résolution et de lisser les spectres. Donc il va falloir comprendre aussi ce mécanisme pour pouvoir interpréter les spectres gamma que vous allez obtenir avec l'instrumentation de ce TP.